Le taux d'hémoglobine est normal. C'est quoi la normalité? C'est ce que je cherche. En dessous de 100, c'est vraiment. Okay. En dessous de 100, tu donnes un. C'est quoi ce que j'ai de normal? Diabète gestationnel, 640. Ça va, ça marche. Mais ma tête, elle est trop faible avec. Ouais. Ça marche vraiment pas de normal. C'est une. On va aller voir quoi? Jamais été diagnostiquée comme telle. Au cours de la grossesse, le placenta produit des hormones qui se retrouvent dans la circulation sanguine de la mère et qui modifient sa capacité à utiliser l'insuline. De ce fait, le glucose qui s'accumule petit à petit dans le sang de la mère parvient à traverser le placenta et entraîne des problèmes pour le bébé. En général, tout à fait. Parce qu'elle n'aura plus les hormones placentaires, mm-hmm. et qu'elle aura après son. C'est ça, la bande d'entrée qui va. Exactement. Donc, son remède, ça va être vraiment la plus. Est-ce que ça reste une femme qui est à risque dans l'avenir de développer un diabète? Oui, c'est une carence. Oui, exactement. Et puis, ça fait partie des facteurs de risque. Si elle a déjà fait du diabète gestationnel, oui, sur une première grossesse, ça risque d'en faire un autre. Est-ce
Est-ce que vous avez autre chose? La même chose. Aviez-vous des choses que vous aviez Donc, est-ce qu'obligatoirement une femme qui fait du diabète de grossesse va devoir prendre de l'insuline? Va devoir s'administrer de l'insuline? Oui, oui, oui. Il existe un diabète gestationnel qu'on appelle à la diète. Donc, il y a des femmes qui vont faire un diabète gestationnel, mais qui, avec la diète, vont réussir à maintenir des normalités correctes. Donc, elles n'auront pas nécessairement, ils n'auront pas tout de l'insuline automatiquement. Bon? Ça va dépendre du CTP aussi. Oui, exactement. Si c'est comme juste, oui. C'est là qu'ils vont y aller avec les exactement. Normalement, avec une diète, elle peut quand même se maintenir dans le normal. C'est beau? OK, rien à ajouter ici non plus. OK. On va passer aux autres équipes. Deux, bien là, dans le fond, ça va être à l'équipe 5 de parler. Thank you.